Ben oui. C'est notre première fois de vélo, c'est excitant. Première fois de la saison. Oui. Il va pleuvoir ratio, là, tu parles quand même. C'est-tu cool? C'est cool! Il y a encore un peu de vent, mais quand même! Ah non, c'est bien, il faut refaire une présentation, là. C'est une nouvelle activité. On est allé faire une petite rando avec, avec Brandon et deux autres amis tantôt. On the go! On the go! Et là, on est downtown Ottawa, autour du marché Bay. On a enfilé notre tuque, notre casque et nos vélos. Et on a une heure et demie, deux heures à se promener. Alors, on fait du tourisme cyclable. On couvre plus de distance en vélo. Ah! Regarde, il y a quelqu'un qui saute. Oh! Il saute plus! Il saute plus! Il a arrêté juste la petite. Non? Ah! Il y a du monde à ville. Hey, regarde, il y a des danseurs. Ah! Il y a des filles. Bon, il va! On se promène! C'est parti mes amis, notre toute première ride de vélo de l'année 2022. Et on va s'en souvenir parce que la ville d'Ottawa, elle est magnifique. Et la parcourir à vélo, ça nous permet d'en voir beaucoup en peu de temps. Parce que vous l'avez compris, on n'a pas tant de temps que ça, car ce n'est pas notre première activité de la journée. On a fait une rando tantôt, alors là, ben là, ça fait différent et c'est vraiment excitant. Let's go! On part! Notre visite des alentours du marché Bay est terminée pour l'instant. On est rendu au monument nommé la Réconciliation. C'est un hommage au maintien de la paix et il est dédié au casque bleu. On continue ensuite vers le pont Alexandra, d'où on a une vue imprenable sur la colline du Parlement. C'est magnifique, mais il vente et on se les gèle. Alors, on remonte rapidement en direction du Musée des Beaux-Arts, d'où on peut admirer la superbe basilique cathédrale Notre-Dame. Et où on peut aussi découvrir la fameuse sculpture nommée Maman, une araignée monumentale de 10 mètres de hauteur et qui a un effet presque magnétique sur tous les visiteurs, quel que soit leur âge. Direction le Parlement, on passe devant le magnifique château Laurier et les premières écluses du canal Rideau. Et tranquillement, on s'approche de la cité parlementaire de notre pays, en commençant par l'édifice de l'Est. Il a été conçu en 1859 dans le style néo-gothique. Il a été construit pour accueillir les bureaux des sénateurs et des députés. Il a entre autres accueilli les bureaux de Sir Johnny MacDonald et de Sir Georges-Étienne Cartier. Le voilà notre Parlement canadien. Un monument emblématique avec sa tour de la paix haute de 92 mètres.
On voit aussi l'édifice de l'Ouest, troisième édifice principal de la colline du Parlement. Sans oublier la flamme du centenaire, allumée pour la première fois le 1er janvier 1967, pour fêter le centenaire du Canada. Visite de la ville prend bientôt fin. On est sur la rue Sparks et il commence à être de plus en plus tard. Alors on prend quelques clichés, mais c'est quand même le fun. Une visite à vélo, ça ferait des belles photos. Ben, les photos bougent un peu, des belles vidéos. Il n'y a pas trop de monde. On est bien. Quoique le vent... C'est des vents sur l'échelle de 8 nœuds. C'est des vents de 8 nœuds. Je pense que c'est des vents sur l'échelle de Richter aujourd'hui. Oui. On est bien, là. Ah non, en fait, je suis tanné. J'ai tellement froid aux oreilles. Je pense que les oreilles sont gelées. Je pense que je vais enlever mon casque. C'est stylé, ça, hein? Hein? Ah ouais, sécurité avant tout. C'est tombé, ça. Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Juste devant la flamme. Oui, juste devant. Mais en fait, je pense qu'il fait suffisamment froid pour se réchauffer autour de la flamme. Reste à la maison! OK, on finit ça. Quel versement. J'ai sorti, excusez-moi, j'ai oublié que c'était pas des verres d'eau. Qu'est-ce qu'on mange? On mange du bulgogi. Du bulgogi. Et du... McDonald's comme boom. C'est ça. Avec du kimchi. Avec des baguettes. Oui, bon appétit coréen dans la chambre d'hôtel de Ottawa. Oh, j'ai coincé. Coréen. Attends. Faut que tu me dises, bon appétit. Attends. Merci, que je peux dire. Merci. Mais regarde ça, c'est à nous seuls. Il n'y a plus personne. On prend notre petite marche après notre souper. C'est relativement frisquet, mais on voulait voir les lumières, les couleurs de la ville. Oui, les lumières, c'est beau. Fait que petite marche, on retourne au marché bail. Et... OK, c'est tout. Mes amis, c'est terminé pour nous. On a eu une très grosse journée. Rando, vélo, et maintenant, c'est le temps du dodo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et surtout, cliquez en bas à gauche parce que notre week-end est loin d'être terminé. Demain, on a une aventure assez intense à vous montrer. Donc, suivez Mr. J et Amy. Bye-bye!